Salut à tous, c'est Papkik. Donc les gars, quand même, vous savez, nous sommes bien le samedi 18 juillet. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, ouais, j'ai tapé directement le petit glitch pour modder. En fait, le but de la vidéo, c'est de modder le Reblor. Voilà, donc là, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait PS, j'étais dans les paramètres réseau, j'ai décoché, j'ai recoché, j'ai fait un double PS pour revenir sur le jeu. Et j'ai eu ce message. Maintenant, on va l'accepter. Le but, c'est de repartir en mode histoire. Peu importe avec lequel personnage on va apparaître, bah maintenant on repart en mode online, par contre en session sur invitation. Donc c'est parti, start. On regarde nos paramètres, mode de visée libre, donc commande, et le mode devra être libre, hein, d'accord les gars. Ensuite en ligne, et joue à GTA Online, session sur invitation, et on y va. Donc le point d'apparition, ça sera dans un garage. Par contre vous pouvez mettre dernière position à l'extérieur de l'arena. D'accord les gars, bon on s'en fout de mon garage, là je vais spawn dans un garage où il y a des gros véhicules, donc ouais les commentaires s'il vous plaît. Ouais les véhicules sont pas what the fuck on va le dire. Voilà, donc une fois qu'on est dans, on a spawn dans un garage, on prend n'importe quel véhicule et le but bah, c'est de se rendre à l'arena. Donc on se retrouve à l'arena. Donc les gars, une fois qu'on arrive à l'arène avec le véhicule, on rentre à l'intérieur, donc au niveau de l'atelier. Donc on accepte. N'oubliez pas que l'atelier devra être plein si on arrive en véhicule. Donc là, on va annuler le remplacement. On fait retour et on fait croix. Une fois qu'on est dans l'arène, c'est parti, on va se présenter à côté du véhicule modé. Donc les gars, profitez-en, puisque ce glitch fonctionne super bien encore. Donc en fait, il y a trois glitches de merde, hein, les gars, encore, qui fonctionnent super bien. Donc là, voilà, le véhicule, là, je m'en fous maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai tout transféré sur la F1. Maintenant, une fois que je suis devant la F1, le but, c'est de faire PS et de rejoindre un ami à nous qui joue à GTA Online. On va rejoindre la session et on va accepter le premier message et on va refuser le second message. Donc là je fais rejoindre session, c'est un ami à moi qui joue à GTA Online. Et là on va être sur le premier message d'alerte, mais comme j'ai un doute, je fais double PS et je le rejoins une seconde fois. Voilà, vous avez vu, donc là je change d'ami, donc là on fait double PS et on change de collègue. Donc là je tente quelqu'un d'autre. Donc pareil, double PS, on le rejoint une seconde fois pour avoir ce message. Donc là on fait retour, une fois que c'est bon, on peut monter dans le véhicule modé. Donc si tout s'est bien passé, quand je vais faire flèche de droite, j'aurai le menu sur place. Donc c'est nickel. Donc là je vais dans le blindage et je l'enlève. Une fois que c'est fait, je fais retour et je vais aller sur vendre. Et là on va cliquer sur vendre, 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 jusqu'à temps qu'on a l'écran noir et on fait double PS, on rejoint l'ami. Donc je rejoins, j'accepte, je refuse. Là on fait triangle. Et voilà, en fait le but de la vidéo c'est plutôt pour faire ce véhicule là. Donc les gars, vous allez voir à la fin, je pense qu'il va être plutôt pas mal quoi. Donc les gars, une fois qu'on est monté dans le véhicule, bah on n'a plus qu'à faire R2, donc on accélère. Bon, je sais que j'ai un peu l'air con parce que le glitch est super connu, mais bon voilà. Ouais, GG. Donc les gars, là il est brut de décoffrage, il est pas terminé. Donc là, pour celui ou celle qui souhaitait voir que le glitch, bah là c'est presque terminé. Le but c'est de descendre du véhicule, le véhicule despawn, il est reparti au niveau de l'atelier. Et là il faut faire une sauvegarde. Donc moi la sauvegarde, ça sera une customisation les gars, donc voilà. Donc c'est parti, d'accord les gars. Donc vous personnellement, vous faites une petite sauvegarde et c'est terminé. Et encore, je sais même pas si la sauvegarde est nécessaire, puisque voilà, même si je change de session et que je reviens, bah le véhicule il a pas bougé, hein. Donc mais bon, faites une sauvegarde, on sait jamais. Donc voilà, regardez les gars, si vous voulez faire comme moi, vous prenez un véhicule avec une belle peinture. Après, si vous souhaitez lui mettre des roues F1, bah vous prenez une Formule 1 et ensuite vous faites le même délire que moi et ensuite vous transférez tout sur le véhicule que vous kiffez. Donc vous allez voir, celui-là logiquement il doit être plutôt pas mal une fois customisé. Donc c'est parti, là on fait une sauvegarde, donc une customisation quoi. Donc c'est parti. Donc cette peinture de crew là, franchement les gars, demandez-moi la, faut pas me la demander parce que je ne sais plus laquelle c'est. Donc j'en suis désolé, mais bon, j'ai retrouvé le véhicule. Donc c'est parti, le blindage, bah si vous vous kiffez ce véhicule, vous souhaitez l'avoir, bah à fond. Ensuite les freins, bah c'est fait. Pare-choc avant, bah là on va le faire. Donc je vais essayer de faire un truc assez cool, parce que je sais que ce véhicule là on peut le rabaisser.
couleur 2 hein, vu que c'est de la brillance. Ensuite le moteur bah c'est fait, l'échappement ouais bah là c'est fait. Ensuite les ailes, donc je vais commencer du bas. Donc moi je reste dans la couleur 2 hein. Donc je vous montre quand même pour celui qui souhaite se l'acheter, pourquoi pas hein. Donc revenons à nos moutons hein. Donc là je mets les calandres de rue. Ensuite le capot, bah vas-y c'est vite fait là, on va mettre ouais ça, allez hop, capot de rechange. Ensuite klaxon s'en fout, l'éclairage logiquement bah c'est pas fait, donc là je vais mettre du mauve. On va rester dans le délire. Kit néon, on va mettre du mauve aussi je pense, oui on va rester dans le délire, voilà. Ensuite il y a les motifs, donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est un bon véhicule, il vaut le coup, ouais il vaut le coup, surtout quand on le rabaisse. Allez, je pars avec ça, c'est parti mon kiki. Donc moi je prends les motifs là. Donc rétroviseur, on va rester dans la couleur 2. Ensuite les plaques, j'y touche pas. La peinture, il faut pas y toucher, logiquement tout est beau. Hein. Regardez, le nacré il est pas coché. Donc autant la laisser comme ça. Hein. Couleur de finition par contre, pas con. Ouais, blanc glacier. Donc ça on s'en fout un peu. Le toit. Donc secondaire hein. Ensuite on s'en fout, bas de caisse là c'est pas mal aussi hein. Donc le véhicule là il est cool, c'est parce qu'on peut bien rabaisser les roues et c'est ça qui est cool, bah du moins les suspensions quoi. Donc suspension, regardez, tac 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 et tac. Et oui c'est pour ça que je voulais le mettre en F hein. Donc générateur de tourbillon ouais si tu veux hein. Donc couleur 2, transmission c'est fait, turbo bah c'est pas fait mais c'est fait. Ensuite les roues, donc là je vais aller dans les pneus, apparence de pneus, et je descends une fois, regardez ça prend pas les roues de série F1. Par contre je pense que ce véhicule là ouais faut le laisser en F1 avec l'apparence rouge, donc je vais chercher l'apparence rouge. Ah bah il est là, hop. Ah ouais j'ai chié quand même hein, franchement non. Roue ouais cool, bah voilà hein. Attends, pneu fumé, on va changer quelques trucs et on va aller voir dehors ce que ça donne. Ouais je prends le temps maintenant les gars, vous avez vu il y a plus beaucoup de monde sur la chaîne, donc autant me faire plaisir et autant faire plaisir à ceux qui kiffent hein. Donc là, bah vous ferez une sauvegarde. Moi, j'ai voulu faire une customisation. Donc là, je fais quitter l'aréna et on va aller voir ce que ça donne dehors en espérant qu'il fasse pas nuit. Bon, il fait nuit. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que le véhicule y est bien fait. Donc les gars, vous avez vu que le glitch bah, fonctionne toujours. Vous l'avez capté. Bah ça, c'est clair et net. Moi, le principal, c'était de taper une customisation de ce véhicule qui est en promotion. Donc les gars, profitez-en. Voilà, il y a les ventes de caisses qui sont doublées. Donc n'oubliez pas que 111 caisses égale 4 millions. Donc pourquoi pas, hein. Donc à partir de là, voilà. Donc les gars, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo du week-end vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Voilà, même si c'est plus comme avant. Mais bon, on fait avec, hein. Donc c'est comme ça. Donc les gars voilà, bah j'espère quand même, moi personnellement bah j'ai kiffé. Hein. Donc les gars voilà, bah sur ce Stéphane Kick, sur GTA 5 Online, j'espère que cette vidéo en tout cas elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires et n'hésitez pas à le faire si vous avez kiffé. Allez, ciao les gars, ciao.